Bonjour à tous. Chers collègues, messieurs les modérateurs, j'en profite pour remercier le comité d'organisation à m'avoir invité à vous parler de la place de la radiologie dans la gestion des cathéters veineux centraux. Donc, j'évoquerai la place de la radiologie et de l'imagerie avant la pause, pour l'imagerie des voies d'abord et des veines centrales. Pendant la pause, on ne parlera pas d'éco-guidage, on parlera de guidage radiologique, d'angiographie, d'angioplastie, de recanalisation, et puis la gestion des complications, malposition, dysfonction et sténose veineuse centrale. Donc les situations à risque, vous les connaissez tous, sont les antécédents de cathétérisme central, CVC, réanimation, PICLINE, les pacemakers, les défibrillateurs, les antécédents néoplasiques, porte à 4, radiothérapie en particulier, et les antécédents chirurgico-thoraciques. Donc les méthodes d'imagerie des veines centrales concernant l'exploration la plus accessible et la moins onéreuse, c'est l'éco-doppler et la moins agressive, qui permet, Manoli vous l'a dit, de vérifier la perméabilité des veines jugulaires, voire éventuellement une collatéralité qui peut à la fois être symptomatique d'une thrombose veineuse centrale, mais également être utile si on veut atteindre l'oreillette droite par une voie détournée, pourvu qu'elle ne soit pas trop sinueuse. Les limites, ce sont les troncs veineux brachiocéphaliques et veines caves supérieures qui ne sont pas toujours accessibles en échographie malgré l'utilisation de sondes crayon. La flébographie iodée, donc je vous rappelle qu'elle peut être réalisée dans n'importe quelle salle de radiologie conventionnelle avec 20 à 40 cc de produit de contraste. Elle nécessite une voie veineuse périphérique et elle est néphrotoxique chez un patient qui n'est pas encore, qui a une fonction rénale résiduelle détériorée et qui n'est pas encore dialysée. Ici, vous avez une empreinte artérielle qui ne le faut pas confondre avec une sténose véritable. La flébographie au CO2 a l'avantage de ne pas être néphrotoxique. Elle nécessite par contre une angiographie numérisée et des logiciels et du matériel spécifique pour la réaliser. Elle donne de bons renseignements sur les veines centrales. Le fléboscanner, c'est un examen qui a l'inconvénient d'être statique, mais qui a l'avantage d'être tridimensionnel. Il nécessite une voie veineuse périphérique, au moins 40 cc de produit de contraste, donc néphrotoxique. Par contre, on a des images qui peuvent être intéressantes dans certains cas. Vous voyez ici une thrombose de tronc veineux brachiocéphalique sur cathéter. Il est également intéressant pour voir un peu ce qui se passe autour des veines et dans la paroi veineuse, notamment quand il y a des compressions extrinsèques. L'IRM allie à la fois l'intérêt d'une exploration 3D autour de laquelle on peut tourner, et en même temps un examen dynamique, comme vous le voyez ici sur la diapo de gauche, avec une thrombose veineuse centrale et pacification du retour par le système azygos et la veine cave inférieure, grâce à des acquisitions qui sont répétées toutes les 2, 3 à 4 secondes. Donc les considérations techniques, lorsqu'on pose un cathéter, il faut que l'extrémité soit dans l'oreillette, je ne vous apprends rien. Il y a différentes voies d'accès possibles, les voies classiques, jugulaire, fémorale et sous-clavière, des voies plus opportunistes, je vous en parlais tout à l'heure, on peut utiliser des collatérales accessoires. Je vous parlerai de voies que j'ai appelées nos limites, qui sont des voies un peu exceptionnelles et à risque, transmédiastinales, inside-out et radiofréquence, et puis les cathéters exotiques, translombaires et transhépatiques. Le choix de la voie dépend bien sûr du réseau veineux, des sténoses, de fibrose, sinéchie, thrombose, et les procédures endovasculaires avec des cathétérismes complexes, des recanalisations, des angioplasties peuvent être utiles. Un premier exemple simple, un patient qui a un cathéter jugulaire droit qui dysfonctionne et qui a une tunnelite, donc on décide de mettre un cathéter jugulaire gauche, c'est posé par le néphrologue donc sous ampli de Briance. Malheureusement, avec le set fourni par le fabricant, il est impossible de descendre dans la veine cave supérieure. Ça coince, on ne sait pas ce qui se passe. En fait, ce patient a un gros antécédent de cathéter et certainement des sinéchies. En fait, on le reprend en salle de radiologie et on opacifie à ce moment-là une veine cave supérieure qui est tout à fait perméable. Et grâce à des guides hydrophiles et des manœuvres de cathétérisme un peu plus poussées, on arrive tout à fait bien à descendre les deux branches du cathéter dans l'oreillette. Une patiente qui avait eu des cathéters multiples, bilatéraux, avec une jugulaire interne droite rétractée qui fait moins de 2 mm de diamètre. Cette veine jugulaire est ponctionnée sous échographie et ceci permet de cathétériser la veine cave supérieure. On réalise une angioplastie du trajet de pose du cathéter. Il n'y a pas besoin de faire une très grosse dilatation, il suffit de faire le passage pour pouvoir passer le cathéter et le mettre dans l'oreillette. Thrombose de tronc veineux brachiocéphalique gauche, non recanalisable par voie rétrograde ou par voie interrograde. On peut réaliser des techniques dites de rendez-vous, puis de téléphérique, qui permettent d'aligner les deux sondes et de pousser très fort avec l'extrémité rigide du guide ici, et de recanaliser les veines centrales, de réaliser des angioplasties, de récupérer un tronc veineux dans lequel on pourra éventuellement mettre un cathéter ou éventuellement d'ailleurs faire une fistule si c'est possible. Les techniques plus innovantes dont je vais vous parler, c'est l'accès transmédiastinal qui a été publié par Matsura. C'est une ponction directe du tronc veineux brachiocéphalique à l'aiguille fine, sous guidage radiologique,
en visant une sonde cible que l'on introduit par voie fémorale et que l'on place dans le tronc veineux brachiocéphalique. Alors, cet auteur a posé 3 abords transmédiastinaux avec 100% de succès et un cathéter est resté fonctionnel plus de 3 mois. Donc l'expérience est assez courte. L'Inside Out Central Venous Access, c'est un matériel spécifique qui a été mis au point par une équipe sud-américaine pour les thromboses veineuses des gros troncs. On fait une voie veineuse fémorale, on met un dispositif dans l'oreillette droite et on dispose sur la peau une cible cutanée circulaire à l'endroit où on veut faire sortir le cathéter. Vous voyez la cible ici qui est posée et on avance l'aiguille qui est l'aiguille introduite par voie fémorale en direction, après avoir fait un alignement radiologique, en direction de cet anneau, sans trop savoir d'ailleurs ce qu'on traverse au passage. Et ensuite on fait un téléphérique et ça permet de poser un cathéter. Ils ont fait 12 patients qui avaient des occlusions cervico-thoraciques et de la veine cave supérieure avec 100% de succès et tous les PERM4 étaient fonctionnels à 14 jours. Les recanalisations des veines centrales au guide par radiofréquence, c'est très à la mode aux États-Unis. Pourquoi aux États-Unis ? Parce que c'est du matériel qui coûte très cher et qui n'est pas très accessible en France, compte tenu des problèmes de nomenclature sur ce type d'acte, mais qui permettent en revanche de reconstituer véritablement le confluent en cave. Ça a été publié par Guimaraes en 2012. Donc il faut un guide de radiofréquence, un générateur, un lasso. On avance le guide en direction du lasso, millimètre par millimètre. Le lasso est introduit par voie fémorale et le guide par voie brachiale, ou l'inverse, ça c'est au choix de l'opérateur. Et ensuite, une fois qu'on a recanalisé, on réalise un téléphérique et une angioplastie, éventuellement un stenting, et puis on peut derrière mettre un cathéter. Guimaraes a traité 42 patients, il y avait 6 occlusions sous clavière, 29 troncs veineux brachiocéphaliques et 8 veines caves supérieures, avec 100% de succès. Il a déploré une complication, c'était une tamponade, mais après surdilatation, qui n'est pas à mettre sur le compte de la radiofréquence. Et 95% des stents étaient perméables à 6 et 9 mois. Donc ce sont des procédures qu'il juge sûres et efficaces lorsque les techniques de recanalisation conventionnelles ont échoué. Et puis une publication plus récente qui est sortie dans le Journal of Vascular Access, qui décrit une fausse route avec une perforation trachéale et un hémomédiastin, complication fatale. Donc il ne faut peut-être pas s'emballer avec ces techniques-là. Le cathéter translombaire publié par Power en 2010, 39 cathéters implantés, 100% de succès, un hématome rétropéritonéal. Les chiffres de perméabilité primaire de KTV et d'infection sont identiques selon lui à ce qu'il observe par voie jugulaire et nettement supérieurs aux cathéters tunnelisés fémoraux. Et donc il préfère mettre des cathéters translombaires plutôt que des cathéters fémoraux. Et puis le cathéter de la dernière chance, c'est le cathéter transhépatique, publié par Smith en 2004. 21 cathéters chez 16 patients, 100% de succès technique, 30 changements, 5 migrations et 30% de complications quand même, dont un décès. Vous avez ici en bas un hémopéritoine autour du foie dû à une plaie de l'artère hépatique pendant la pose du cathéter qui a nécessité secondairement une embolisation. C'est des choses plus simples. Donc, les dysfonctions des cathéters que vous utilisez au quotidien peuvent être positionnelles. Dans ces cas-là, l'angiographie permet de voir si le cathéter est trop long. Ici, il est contre la paroi inférieure de l'oreillette droite, voire dans la veine cave inférieure. Les risques sont bien sûr des risques de perforation au guide lorsqu'on fait les manœuvres de changement ou de ramonage. Et puis, il y a un risque de thrombose éventuellement des veines sous-hépatiques lorsqu'il est dans la veine cave inférieure. Lorsqu'il est trop court, le débit est en général insuffisant et ça favorise le développement des manchons de fibrine. Donc on les change sur guide sous scopie. Les malpositions peuvent être plus originales avec un trajet dans le tronc veineux brachiocéphalique contralatéral, dans la veine azygos, parfois des veines caves supérieures gauche, je vous en dirai un mot, les communications interauriculaires où on peut avoir des boucles sous-cutanées. Donc on fait des changements sous contrôle radiologique où on peut les repositionner au lasso. Je vais vous en montrer quelques exemples. Ici, un article récent de Rossi sur les anomalies de la veine cave supérieure. C'est 0,3% de l'incidence dans la population normale et 2 à 3% chez les patients présentant des malformations cardiaques. Donc, veine cave supérieure double ou veine cave supérieure gauche, ça peut toujours donner des sueurs froides quand on pose le cathéter si on n'est pas informé au préalable de ce type de malformations, si elles ne sont pas connues. Donc, d'où l'intérêt de poser ces cathéters sous guidage radiologique et de faire des angiographies lorsqu'on ne comprend pas ce qui se passe. Ici, c'est une patiente qui nous avait posé quelques soucis avec une branche veineuse du cathéter qui présentait un trajet un peu surprenant, que l'on voit ici. Et en fait, sur le scanner, on voit très bien que ce cathéter descend dans la veine cave supérieure, passe dans l'oreillette droite, dans l'oreillette gauche et dans la veine pulmonaire inférieure droite. C'était une CIA ostium secondum. Il a pu être repositionné sous guidage radiologique sans problème.
un cathéter, donc une branche est partie dans le tronc veineux brachiocéphalique contralatéral qui est repositionné au lasso, une boucle sous-cutanée lors de la tunnelisation qui est débouclée par voie fémorale avec repositionnement de l'extrémité dans l'oreillette. Lorsque le cathéter apparaît bien en place et qu'il dysfonctionne et après échec des manœuvres simples, l'angiographie permettra de rechercher éventuellement les fameux manchons de fibrine ou du thrombus. On peut alors essayer de faire des ramonages au guide, rigide, guide angulé, des brossages, un stripping au lasso ou des techniques décrites plus récemment de changement sur guide avec angioplastie et rupture du manchon de fibrine. Donc je vais vous en dire un mot. Voici un exemple de gaine de fibrine. Lorsqu'on opacifie, le produit contraste stagne autour de l'extrémité du cathéter. Vous voyez au passage que ce cathéter est manifestement trop court. Le passage de guide dans les trous distaux et latéraux permet parfois d'améliorer les choses, mais c'est quand même pas fantastique. Ici, vous avez un cathéter dont l'extrémité n'est pas opacifiée par le produit de contraste. Le produit de contraste sort uniquement par les trous latéraux et donc le cathéter est thrombosé à l'extrémité, avec en plus un petit manchon de fibrine. Un cathéter dont l'extrémité est partie dans le tronc veineux brachiocéphalique contralatéral, il est également trop court, donc on le repositionne au lasso, on fait un stripping pour essayer d'améliorer les choses, et vous voyez que même après le stripping, l'angiographie n'est pas de bonne qualité, ça reste très marécageux autour du cathéter, il reste certainement pas mal de fibrines, ça ne fonctionne pas très bien. Donc Engel a publié en 2003 une étude rétrospective sur 340 cathéters en comparant le flush haute pression, le ramonage au guide, les échanges sur guide, le stripping et la thrombolyse. Et lui notait une supériorité significative du stripping par voie fémorale et de la thrombolyse par rapport aux autres techniques et en particulier le très mauvais résultat des manœuvres au guide. Olivier a publié une étude prospective randomisée en 2007 sur l'angioplastie au ballon avec 47 dysfonctions de cathéter, 70% avaient des manchons de fibrine, 18 ont été tirés au sort pour des angioplasties. Les cathéters, la meilleure survie était bien sûr pour les cathéters qui n'avaient pas de manchons de fibrine, intermédiaire pour ceux qui ont été dilatés et moins bonne pour ceux qui n'avaient pas eu d'angioplastie, donc ils concluaient à une efficacité significative de l'angioplastie lors du changement du cathéter. Ces angioplasties sont faites en gonflant des gros ballons dans la veine cave supérieure, 12 mm au minimum, et ces ballons, en plus, on les mobilise pour essayer de vraiment créer une rupture de cette gaine de fibrine. Une publication de 2006, rétrospective, qui a comparé de Jeanne Dotet, qui a comparé le stripping, le changement sur guide et la dilatation des manchons de fibrine, et qui n'a montré aucune différence significative, quelles que soient les techniques. La durée médiane de perméabilité était la même pour tous les groupes. Et puis alors ces techniques où on gonfle un gros ballon et on ramone un peu l'intima, ça peut avoir aussi des complications. Et NI a publié en 2011 deux fois plus de sténose de veine cave supérieure chez des patients qui avaient bénéficié de ce type de procédure. Donc ça reste à utiliser avec précaution. La radiologie interventionnelle permet également, par voie fémorale, de récupérer des cathéters qui ont été cassés, dont une extrémité est restée dans le patient. La meilleure solution reste bien sûr la prévention. Lorsque le cathéter est collé, on le coupe et on descend un désilette dessus pour essayer de ne pas le casser au moment du retrait. Les sténoses et thromboses veineuses centrales sur cathéter. Donc, Guillaume Jean a publié en 2001 sur des cathéters long terme, 28 mois, 47% de sténose ou de thrombose centrale et une publication de 2004 sur des cathéters cette fois court terme 21 jours a également montré 56% de manchons de fibrine, 28% de thrombus et 14% de sténose centrale, donc ça arrive très vite. Donc ces sténoses centrales, il ne faut les traiter que si elles sont symptomatiques. Elles peuvent être dilatées au ballon, cathéter en place, on peut très bien laisser le cathéter faire l'angioplastie. On peut, lors du retrait sur guide, réaliser une angioplastie instanting et remettre un cathéter. Et si l'on ne veut pas retirer le cathéter, il est éventuellement possible de mobiliser au lasso le cathéter, de le pousser au-delà de la sténose, de dilater, de mettre un stint et de ramener ensuite le cathéter avec un lasso en position. En sachant que les résultats de ces dilatations de veines centrales sont mauvais, la perméabilité primaire est de 24 à 40% à 6 mois, surtout d'autant qu'on laisse en place l'élément irritatif. Les ruptures sont exceptionnelles, la principale complication c'est la tamponade. Voici un exemple d'évolution naturelle
prévisible. Un patient qui avait une fistule immature qui a été dilatée à plusieurs reprises. Lors de la première opacification, il y avait un petit peu de fibrine ou de caillot dans le tronc veineux brachiocéphalique. Trois mois plus tard, on le redilate parce que les fistules immatures, il faut les dilater souvent la première année et il a thrombosé. Il a toujours son cathéter parce que la fistule n'est pas encore utilisable. Et puis la fistule devient utilisable, le rosténose, on la redilate et cette fois, il n'a plus de cathéter, il a thrombosé, il a toujours sa thrombose. Par contre, il a une collatéralité qui est efficace, il n'a pas de bras et il n'est pas utile de dilater ou de stenter cette veine centrale. Un exemple d'une patiente qui avait un désert vasculaire avec comme seul abord possible des veines jugulaires. Elle a une veine jugulaire, une thrombose cave inférieure, elle a un cathéter jugulaire gauche avec une sténose serrée et un syndrome cave supérieur. Et par voie jugulaire droite, il est possible de dilater cette sténose cathéter en place et de traiter le syndrome cave supérieur. Et puis je vous rappelle qu'il est tout à fait possible de réaliser des angioplasties avec des électrodes de pacemaker en place, ça ne pose aucun souci sur cette thrombose sous-clavière du confluent jugulo-sous-clavier. Les complications des manœuvres endovasculaires théoriques, c'est l'infection, l'embolie pulmonaire, les troubles du rythme, et puis les brèches vasculaires, surtout avec les techniques innovantes de recanalisation. En conclusion, la radiologie est utile à toutes les étapes grâce aux multiples techniques d'exploration, aux manœuvres endovasculaires classiques et innovantes. Et elle est un guide et une aide indispensable pour les poses simples ou complexes, pour la gestion des dysfonctions et la gestion des complications. Et si vous voulez en savoir plus sur les cathéters et les abords vasculaires, je vous invite à venir à Ajaccio au mois de juin prochain. Je vous remercie.